Re-YouTube, ça y est, après cette petite pause méritée. On est reparti, et donc on va aller traquer du méchant. Il y a des méchants partout, méchants everywhere. Et aussi ça. Et on va leur casser la gueule. Et quoi là-bas? Un veilleur. Un petit rat. Allez. Le lapin. Je saurais quoi en faire. Voilà, je pense. Ok. Ah, je peux rien créer, merde, ça fait chier. Attendez. C'est dessous lui. C'est un peu relou en fait. Merde. Bah voilà. Oh. Oh mais maintenant qu'est-ce que je leur mets dis donc. Qu'est-ce que je leur mets? C'est fou. Hein? Ah oui. Ah oui, j'ai pris cher. Nancy, mais il est loin, lui. Ah non, il est mort. Là il y a un truc. Quel est donc le truc? Ça y est, il pleut. Là il y a du brouteur. Là il y a quoi? Des débris. Débris. Encore du brouteur ici. Pour pirater ces machines, je dois savoir d'où elles viennent.
Oh merde! Les machins! Non! Putain, les charognards, j'avais pas fait gaffe quoi. Un peu con de ma part, j'avoue. Ah, ok. Tiens. C'est sûrement là que les guerriers se sont fait massacrer. Tant de violence. De nombreuses machines. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose, un indice sur l'endroit où elle est partie. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Elles sont vivantes ? Ah ! Bah ouais, y'a un mec. Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Y'a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je lui sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas, on a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade? En effet, je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressés de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Nah, c'est ok. C'est ok, moi je... Je suis toute seule. Pas de problème. Pas de problème. Vraiment, tout se passe comme prévu. Ok, il y a la partie de chasse, il y a le truc. Il y a mon grand coup piraté là. Allez, bisous mec.
C'est parti. Oh, ils vont pas essayer de me tabasser quand même. Et voilà, c'est complètement con. Peut-être des brouteurs. Merde. Mais non mais... Arrête de bouger. Allez, merci. Hop là. C'est bien qu'il fasse du bruit. C'est vraiment bien qu'il fasse beaucoup de bruit quand même. Ça aide. Salut Gabel, comment ça va? Bah écoute, moi ça va aujourd'hui. Il s'énerve. Vu comment il s'énerve? Allez, tiens, tu t'énerveras moins. Mais barrez-vous. Je vais les éviter pour l'instant. C'est ça. Évite-les. C'est vrai que les morts ont tendance à moi s'énerver. Ah oui, on est d'accord. Très utile. Non. Voilà. Hop. Allez, direct. C'est bien, on farm. Ce qu'on veut, c'est récupérer des ressources. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un galopeur. Petit galopeur. C'est ça, c'est où que je dois aller? Là-bas? Là-bas. Oh, je peux aller tout droit là. Ah oui, c'est là-bas quand même en fait. Quoi, c'est les chars? Non, c'est les galopeurs là. Okay. Est-ce que je peux pas essayer de choper un galopeur pour m'en servir en tant que. J'en profite et je prends. Hop là, petit piratage. Voilà. Et donc maintenant, regardez. C'est qui le galopeur à ce moment? Pas assez rapide. Ah non, c'est mon copain. Vous vous rappelez, c'est mon copain. Reste tranquille. Comment ça reste tranquille? Comment ça? Et pourquoi il m'énerve lui?
Pourquoi il est venu me chercher? Pas assez rapide. Non mais c'est parce que... C'est parce que je suis passé, ils m'ont vu quoi. Ah, je peux scanner dans ce mode là. Quand je suis en... Quand je... C'est quoi là? Des débris, ok. Un camouflage à ta bestiole. Non mais non. Y'a pas un veilleur dans le coin là? Si, y'a des veilleurs everywhere là. Y'a un dodo là-haut là. Regardez, on se croirait dans Red Dead Redemption. Vous avez vu ce jeu, c'est comme Red Dead. T'as pas joué? Ah bah j'ai pas joué non plus. J'ai pas joué non plus mais Non mais c'est... Non, ma part. Fouille la dinde. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Oh, c'est beau! Regardez ça! J'ai pas poussé le rocher là? Ah! Descendre en appel. Bon. Des fragments de flèches. Ce vieil arc a connu bien des combats. Ok. Des bandages. C'est récent. Il vient d'être dépecé. Ouais. Ah, j'ai examiné la zone là. C'est quoi le souci? Ah d'accord. Sager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang peut-être. Je vais la scanner avec mon focus. Ok, donc on a la piste. Je peux enlever le focus. Ah oui d'accord, le reste ça servait à... Si, examiner. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Sona et ses braves ne doivent pas être loin. Des traces. Pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. C'est quoi ça? Ah, des veilleurs, ok. Finissons-en.
Non, ok. Bonne pioche. Ça, c'est bon. Est-ce que du coup, je peux recréer ça? Ouais. Merci, le jeu. Ah, découvert une... un truc en plus. Elle est douée. Hein. Moi, on me demande de faire ça, je me pète la gueule. Hein. Moi, le petit truc en équilibre sur la corde, là... Je pense que c'est mort. Quoi? Ah oui, d'accord, des... Ah! Il y a des nouveaux ennemis. C'est ça qu'on a trouvé en fait. Site de crasheur boursouflé. J'aime pas le nom qu'ils ont. Des ennemis, il n'y en a jamais assez de toute façon. Un dent de scie mort. De la main de Sona peut-être. Elle est sûrement tout près. Il est où? Il est où? Et il est là-bas. Ça pue le combat là, non? Ouais, hein. Genre elle l'entend pas. Ah si, quand même. Elle est pas si con. C'est elle? Ah ouais, c'est maman. Enfin, c'est maman, la maman des deux gamins là. Eh, balèze. Voilà, une griffure au bras. T'as de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce dent de scie t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. Ouais, j'en ai tué plein, moi. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. Ta maman, elle est pas sympa, hein. On a besoin de force. Pas de sentiments. Oh là là, la j'ai merde. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi? Tu n'as même pas... Bien gentil, mais oui. Prouve-le-moi. C'est les gros chiens. En combattant avec nous. Suis-moi. Oh! Putain, elle se met à courir direct, quoi. Direct, elle se met à courir. Ah, c'est bon, on a le temps, quoi. On peut pas discuter un peu? J'ai l'impression que là... La meuf, elle a pas le temps, quoi. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre. Des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis... Voyons si tu seras à la hauteur. Ah, attends. Laisse-moi sauvegarder. C'est bien, vous avez vu, elle m'a laissé le temps de sauvegarder quand même. Hein. Elle est pas si méchante que ça. Merde, il y avait un héron. Des bâtons. Choper les bâtons. Choper les bâtons. Et un sanglier. Putain, la patate que je lui ai mis au sanglier. Merde. J'ai claqué une flèche comme ça.
J'ai claqué mes belles flèches. Que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses croire que nope. Sont plus nombreux, mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Quoi? Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquez. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Ouais, ouais, je sais pas. Je pense plus qu'elle est en mode... Faut que je l'attende, sinon je vais la perdre et ce sera encore ma faute si elle est capable de tuer le méchant. Si elle n'est pas capable de tuer le méchant. Faire quoi? Tuer les membres de la secte et les machines corrompues. Détruire les conteneurs de flambée. Les trucs verts. À l'assaut. Mais non. J'ai dit que j'allais faire ça de manière discrète. Mais si je descends par là, je vais pas être discrète du tout. Là, je vais me péter. Je risque de le regretter. Ah, vous avez vu, il y a eu de l'écho. Elle a une Go XLR. À l'assaut discrètement. J'arrive pas à le tuer. Putain. Il est pas mort. Mais il est pas mort ce con. Il avait un de vital. Comment c'est possible? Non. Attendez, je peux tirer sur le truc là-bas? C'est vrai que j'ai plus beaucoup de vie. C'est pas con. Merde. Ton cul. Je peux claquer les trucs là-bas ou pas? Merde. Aïe.
Oh non mais arrête. Vas-y viens. Hop. Il détruit ces merdes. Mais arrête, arrête de brûler. Détruit. Je sais pas. Merde. J'ai aucune... Ah, c'était peut-être avec du feu. Bah oui, inflammable. Mais quel con. Le mec qui a rien pigé. Depuis le début, ils disent « Attention, ces trucs-là sont inflammables. » Et moi, j'ai rien pigé comme d'hab. Qu'est-ce que ça veut dire? Inflammable. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va essayer. Non ? Ouais, je vais essayer quand même, au moins une fois pour être sûr. Bah ouais, forcément. Forcément. En fait, j'avais juste à taper dans les trucs, quoi. Ok, bon. Allez, on part à la machine. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Oh là là, elle a l'air d'être un peu relou, elle. De ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Varl, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici, avec toi. Avec notre vengeance, je ne l'ai pas mérité. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mère.
Faut pas lui parler à lui, d'accord. Ah ah ah. Lieutenant, au cours des derniers mois, des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité, à l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement, terminé. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. Maline. Très très maline. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campe à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Je vais aller voir les matriarches. Leur demander un passe-droit. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème! Je vous en prie, chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. J'aime bien leur croyance quand même. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. À tout à l'heure. À l'œil. Merci. Tu ne seras plus si reconnaissant quand tu verras dans quoi je nous entraîne. Ok. Quoi? Mais c'est si loin. Quoi, un truc de chasseur, ça? Mais j'avais pas vu, en fait, le plan est en 3D. On voit les trucs, par exemple, là, on voit que c'est un grand... celui-là. On voit qu'il est haut. Il y a de la 3D sur le plan. C'est rigolo. Les crashers, moi j'aimerais bien voir les crashers quand même. Parce que j'ai pas vu ce que c'était comme bait. J'aime bien annihiler la faune et la flore moi quand même. Donc c'est par là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est calme sous les arbres. Et là, il faut que je suive la route. C'est ça la route. Je vais garder ça pour la route. Ok.
C'est bien. Ça a l'air grand. Ça a l'air grand ces conneries. Il traverse pas hein. Attendez, je vais faire un truc. Ils sont sensibles à quoi eux? Attendez. Ah merde! Allez, venez par là. Venez vous faire casser la gueule. Ah oui, d'accord. Merde, 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 merde. Il monte ses fesses. Ouf. Merde, j'étais sur, sur le chemin. Ok, j'en ai eu un. Merde.
Non ! Pas le bâtard. Ils sont en train d'annihiler la faune là. Ouf. Ah tiens, pas vu venir celui-là. Hein. Je peux plus en faire. Merde! Merde. Allez. Ben voilà, cool. Je les ai eu tous les trois. Ça m'a coûté 12 milliards de points de vie, mais... Et tout mon stuff. Je les ai eu. Mettre ça de côté. Donc ça c'est fait. Chanceux de... Mais June, ouais, non, il est tout en haut. Partie de chasse, ok. Ah, réussir 3 épreuves, ok. Et donc... June, c'est tout là-haut. Ça, c'est où ? Ok, et June, c'est encore un peu plus là-haut, en fait. Donc, finalement, là, on est sur le bon chemin, quoi. Là, je pourrais y aller ou je pourrais me téléporter. C'est con, j'ai pas débloqué le feu, ici. Bien dommage. C'est bien dommage, du coup est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Bah, je vais courir.
Ah mais non, mais c'est le truc que j'ai apprivoisé là, qui fait autant de bruit. À chaque fois je me pose la question, je dis qu'est-ce qui fait du bordel comme ça? En fait c'est le machin apprivoisé. Il ne faut pas que j'en ai peur. C'est mon copain maintenant. Le long coup. Le long coup, c'est mon copain. Moi je vais aller par là déjà. Hop. Voilà. Oh, y'a le feu. Je garde ça pour plus tard. J'espère que je vais pas crever quelque part par contre. J'aurais peut-être dû retourner à l'autre feu avant. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On croit en nous. On croit en nous, on va être de plus en plus balèze. C'est trop bien. Ça m'aidera. Je suis là en grande discussion avec le copain de mes bêtises. Je suis en train d'essayer de désamorcer ma bombe émotionnelle intérieure. Déjà meuf. T'arrêterais de parler de bêtises déjà. Ça te ferait grand bien, je pense. Déjà. Et puis de deux, on a déjà parlé. T'as le droit de pas être là non plus, hein. Donc t'en fais pas. Quand t'as besoin, je suis là. Ah, on a le droit. Non, pas toi. Blacky. Blacky, elle a le droit. Mais pas toi. Toi, obligation d'être là. J'espère être assez clair. Je peux m'en sortir. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un brouteur tout pourri là. D'où t'aurais peur de ça? Genre on m'oblige, ça donne pas envie de rester. Bah si, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Sinon, pense à toutes les heures de magnifique gameplay que tu vas rater. Quoi? Alors bêtise, parce que je voulais rester stop sur le stream. Oh, c'était une belle bulle. Allez, j'ai le feu. Quoi là-bas? Un brouteur, ok. Ça c'est cool. Et donc là, je remonte. On va essayer un truc. Je dois apprendre à pirater plus de machines. Ah oui, je sais. Mais qu'est-ce que t'attends? Hop là, vas-y. Oh! Merde. J'en rate déjà beaucoup tes heures de stream, donc ouais, bof, je suis obligé d'être là. Pas l'air d'aider. Non, mais ok. Bon, personne n'est obligé, c'est pas grave. Venez quand vous avez envie de venir, en fait, finalement. Jamais, ça peut servir. Finalement, venez quand vous avez envie de venir, ça peut être pas mal aussi. Un dodo ?
C'est quand qu'on récupère la paravoile par contre? C'est quand qu'on a la paravoile, ça serait bien. Ça ici, ça va être un site de charognard évidemment. Il y a du galopeur là, il y a du galopeur, il y a du galopeur. In dend. Ça risque d'être mieux en effet. Ouais, bon bah on est parti là-dessus alors. Ah, oh il m'a bait. Il y a le sanglier, il m'a bait. Il m'a dit regarde, je vais là et en fait, il est passé derrière l'app ce petit con. Petit lapin. Merde. Elle est bien fraîche. Ça doit être la couronne de la mer. Cela ne devrait pas être loin. Ah, ça y est. Quête everywhere. On a ouvert un millier de... Off. On a ouvert des quêtes partout là. La prochaine fois, j'oublierai pas les lois d'un matriarche. Tous ces blessés. La tribu a été durement frappée. Qu'est-ce qui s'est passé, chasseuse? Tu vas bien? Ah, je suis ravie d'être blessée. Au moins, j'oublierai pas la leçon. Et tu devrais en faire autant. C'est-à-dire? Je pourchassais un brouteur au galop. Comment? J'étais tellement concentrée sur ma proie que j'ai pas vu où j'arrivais. J'étais pile devant l'entrée d'un creuset. C'est quoi un creuset? Un creuset? C'est quoi? Ah, tu vivais dans l'étreinte, c'est sans doute pour ça que t'en as jamais vu. Un creuset, disons que c'est une sorte de porte. Personne ne sait ce qui s'y cache. On dit que les machines y sont nées. Ou bien que ce sont des lieux maudits où rôdent les esprits des démons de métal. Mais bon, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, c'est interdit. Et non, moi j'ai le droit. Où est-ce que je peux trouver ce creuset? Justement, tu... Alors dis-moi ce que je... C'est que t'es futé. Mais visiblement pas assez. Bon, tu es grande. Je ne te retiens pas, mais n'oublie pas. Te revoilà. Où est ce creuset? Je dois m'en aller. Je te dirais bien d'être prudente. Mais... Je voulais la suite. Je ne supporte pas la vue de ces horribles machines. C'est contre la nature. L'incarnation de la haine. Certaines choses nous dépassent. Ça se reproduira plus. Tu es la chercheuse. Celle qui était paria. Mes compagnons de chasse... Ils sont... T'as combattu les tueurs, hein? Ceux qui ont attaqué l'éclosion. Tu as sauvé des vies. J'aurais voulu les sauver toutes. Tu as... Tu penses que... Jusqu'où tu as suivi les tueurs? Où est-ce que tu veux en venir? Tu penses que tes compagnons se sont fait tuer? Il y a pire que de se faire tuer. Que faisiez-vous, tes compagnons et toi? Après l'éclosion, on était tellement... marché dessus, ouais, juste naturellement moche. On voulait se venger. Alors on a suivi les traces laissées. Non, mais elle est tombée. On les a rattrapées au crépuscule. Elle a dit qu'elle était tombée. On a combattu avec toute notre haine et notre rage. Avec l'obscurité, c'était le chaos. Je ne pouvais rien voir. Les machines sont parties et je me suis retrouvé seul. Je suis revenu ici, mais mes amis avaient... Ce strabisme qu'ils ont tous, mais c'est vous qui avez du strabisme là. Disparu. Garde comment elle est jolie à l'œil là. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Je... Les petites taches de rousseur là. Je ne suis pas comme toi. Je supporterai pas d'être paria. J'ai peur. Mes amis, ils sont partis dans les ruines.
Si j'y vais aussi, je serai banni. Mais je ne veux pas aller... Je ne veux pas les abandonner. Oui, j'assume. Mais c'est ouf quand Qu'est-ce même. Qu'est-ce que tu veux de moi? Sois clair, s'il te plaît. Je veux que tu trouves mes amis. On voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on n'a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines. Non, mais cette loi de merde, quand même. Toi, tu as le droit d'aller à la soif du démon. Mais je t'en prie, sois charitable. Ne dis à personne qu'on y est allé. Bah non, pourquoi je dirais? Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, je te le promets. Je vais essayer de retrouver. Et donc, les mecs essaient de se planquer. Mais ils pourraient être virés du village parce que ils ont essayé de se cacher. Quoi. Mais quelle loi aussi conne? Vraiment? Qui est aussi con pour décréter un truc comme ça? Je vais le dire. J'avais le dose. Non, on va pas repartir sur les pubs. Hein. Déconnons pas. Hein. Brave! Ton arc pourrait être utile à la couronne de la mer. Moi? Eh bien, tu es une brave, n'est-ce pas? On a besoin de poudre sanglier. Notre tailleur a les mains en sang à force de réparer cap et armure. Il y a beaucoup de sangliers à l'est, après la cascade. Mais il y a aussi une machine depuis quelque temps. Quand je l'ai vue, j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri. J'ai sorti mon arc et j'ai... Il n'y a pas de honte à vouloir survivre. J'ai pleuré. Non, mais c'est que j'avais perdu mon anneau. C'est mon porte-bonheur pendant la chasse. Il vient de la mère de ma mère, arrachée à la mâchoire d'une machine il y a bien longtemps. Tu penses vraiment qu'il te porte chance? Après tout ce qui s'est passé, j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux. Je vais voir ce que je peux trouver. Si tu peux m'aider, ce serait formidable. Je reste là, près du feu. Tu pourras m'y retrouver. Va faire le truc, toi, et puis moi je t'attends. Hein? J'ai promis de rejoindre Varl et Sona près des échos rouges. Oui, ben on s'en fout. S'en fout, moi je... Oui, tu leur as promis ce que tu veux, moi je... Là, il y a l'anneau de machin, là. Les échos rouges. Je sais plus où c'est, les échos rouges. C'était loin, je crois. C'est pas là, les échos rouges? Non. C'est là? Non. C'est là. C'était encore plus haut, ouais. C'était encore plus haut. Encore plus haut. Putain, il y a des... Il y a des oiseaux. Moi je veux les... Ah le creuset ouais. La mère de ma mère, ma grand-mère apprend le français mec. Non mais pas forcément. Ah c'est toi. La paria devenue chercheuse. Il paraît que tu manies bien l'arc et la lance. Ouais c'est vrai. On dit même que tu es la meilleure. J'ai comme l'impression que tu me lances un défi. Carrément quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus important à faire. Oh. Je vois. La chercheuse n'a pas le temps pour nous, les Nora ordinaires, trop occupés à chasser les machines et les brigands. J'avoue, je n'ai jamais affronté de corrompus, ni combattu de démons. Mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourche-Vallon. Et toi? Ou peut-être que ta mission ne t'a pas mené aussi loin? Tu es allé dans une zone de chasse à Fourche-Vallon. C'est dans les terres sacrées, ça? Ça dépend à qui tu demandes. Ça l'était jadis, mais depuis les raids rouges, la frontière est un peu... discutée. La plupart des Nora n'y vont pas, mais les matriarches ne bannissent pas ceux qui choisissent de s'y rendre. Quant à la zone de chasse, le gardien est Karja. Il ne peut pas refuser l'accès aux épreuves, mais il faut y aller doucement avec lui. Il a tellement peur des Nora qu'il pourrait tomber dans les pommes. Comment tu as gagné ces soleils ? Je les ai gagnés en détruisant des machines avec trois types de flèches. Gel, électrique et feu. Si tu veux tenter une épreuve, il faut être équipé. Mais j'imagine qu'une chercheuse est toujours prête, non? Toujours. Tu provoques tous les gens qui viennent te parler? Non, seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges.
Et tu en vois régulièrement ? Eh bien, tu es la première aujourd'hui. Si ta mission te mène à la zone de chasse, il manie tout tellement bien l'ironie. Si tu y arrives, alors tu m'auras battu. C'est comme si c'était fait. J'ai quoi comme quête là-dedans ? C'est tout ? Ouais, j'ai fait les quêtes. Alors, je vais commencer par quoi ? On a... La poursuite de la chance. Ouais, y a ça. Oui, non. Et c'est où ça sur la carte ? Quoi ? Faut que je retourne là ? Oh mais les relous ! Mais les relous ! Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils sont allés si loin ? Non bah je vais commencer par l'autre quête là. Qui est à côté. Le mec qui a perdu son... T'as perdu l'orange du marchand là. T'as perdu l'orange de Guy Marchand là. Encore un feu de camp. Hop. Mais on tue pas les gens. Il est un peu con mais pourquoi j'ai deux points là? Ah oui d'accord. Donc j'ai l'anneau et les pots de sanglier. D'accord, ok. Non mais les pots je les ai déjà je pense, non? Qui a volé l'orange de Guy Marchand? Où là-bas? Des charognards, bien évidemment. Ah zut. Est-ce que je les énerve ou pas? Non. Pas vu. Ils m'ont pas vu, m'ont pas vu. Hop là, allez tyrolienne. Je pensais qu'elle allait s'agripper. Je pensais qu'elle allait s'agripper, moi. Alors pas du tout. Alors c'est bon à savoir. C'est bon à savoir quand on tombe de trop haut, on meurt. Y a pas à tortiller hein. C'est si vous tombez de trop haut, c'est la mort directe quoi.
J'ai entendu un gros bruit, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il y en a un gros qui sorte, mais en fait non. Bon, c'est ok. Tiens donc. Quoi, tiens donc? Quoi, tiens donc? J'ai dû trouver un truc qui a de la valeur. Il y a un petit renard là. Mon focus trouvera peut-être un indice. Ça, c'est un caillou. Difficile de différencier les traces. Ce sont celles de Tame et d'un sanglier. Pas de marque. Qu'est-ce qu'il a tué? De l'écume près de sa gueule. Du poids. Il a une chose dans la gorge. Voyons voir. Oh, on dirait l'anneau de Tame. Ok, bon maintenant je vais chercher des peaux. Je vais chercher des vieilles peaux. Oh, il y a des charognards en face, non? Ah non, c'est un dent de scie. Allez hop. Ah ouais, dis. Le paradis des sangliers, quoi. Y a quoi plus haut là? Quoi là-bas? Du veilleur et du brouteur, ok. Merde. Arrête, tu vas te noyer, arrête. Garde ça pour plus tard. Il y a une fleur qui est dans la... Regardez, c'est très rare, mais ça arrive, des fleurs dans les rochers. c'est une espèce rare de fleurs.
Ça m'aidera. Cochon. Cochon. C'est moi ou elle est chelou la forêt là? Truc, il a mes pieds. Il demande vraiment à mourir quoi. Mais hop, merci. Ah, y'a un cochon là-bas. Petit cochon. C'est dur, mais j'ai l'habitude. Ok. Ok, ok. Bon bah voilà, je suis très content, j'ai plus qu'à faire demi-tour. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui brillait là, mais ce n'était qu'un reflet a priori. Ah, il y a des prises. Trop bien, ils ont pensé à mettre des prises. Qu'on puisse remonter. Une fois qu'on est là, on fait quoi? Ah oui d'accord, on peut repasser par là. Non, j'ai cru que ça allait tout me faire foirer. Il faut être agile hein. Non ! Oh là là, merde. Ah j'ai failli tomber, j'ai failli tomber. Mais tu... C'est moi. C'est moi, j'appuie pas sur le bon bouton et je m'étonne que ça marche. Allez. Merci. Quoi? Ah il me dit ok, on sera près du feu. Vas-y. Te revoilà. Et ouais, me v'là. J'ai des pots de sanglier et ton anneau porte-bonheur, Taïm. Loué soit la toute mère. Et toi aussi, bien sûr. Quand même un petit peu, ouais. Où l'as-tu trouvé? Dans le gosier d'un sanglier. Lui, il a pas eu de chance. Je crois que je vais le porter en collier maintenant. Ah le mec. Ah le mec. Vous avez vu comment il est? Merci pour ton aide. Tu as les qualités d'une véritable brave Nora. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Venant de toi, ça fait zizir mec.
Je vais avoir tellement de trucs à débloquer là. Y'a quoi là? La concentration plus, ouais, ça m'intéresse parce que je l'utilise là maintenant. Et du coup, on a besoin. Oh, les trésors que j'ai eu là. Ah, sac de piège ou de potion plein. C'est quoi ce truc? Ouais, il va falloir que je fasse de l'artisanat, c'est ça? Non, c'est pas ça, je me suis bourré. Hop! Piège et potion. Ah, donc je peux en crafter, d'accord. Et pour augmenter les capacités de stockage. Sac de potions, il me faut quoi? Une arête de poisson? Ça serait bien quand même de... Quoi, c'est vert? Pas d'autres améliorations disponibles. Ah, on est au max, d'accord, ok. Mon carquois. Ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, donc ça y est, mon carquois là, ça y est, c'est la folie. L'élimination du violence câble. Ah non, merde, c'est pour ancrer. Oh merde, 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 merde. Je me ferais bien une tâche là-dessus. Enfin non, faut que j'ai... Oui, faut... Faut que je bute des poissons un peu plus, quoi. Y'a pas un petit poisson là? Petit, 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 petit. Comme ça qu'on appelle les poissons, hein. Je fais partie des chanceux pour l'instant. Mais ça ne va pas durer éternellement. La neige va-t-elle te couvrir? Alors, il y a un marchand. Ah, j'espère que tu comptes acheter. J'ai besoin d'éclat. Je vais à la frontière. Tu es marchand? Qu'est-ce que tu sais de la tribu Karja ou de leur capitale, Méridian? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées, mais je fais affaire avec des étrangers Karja de temps à autre. Ils sont bien trop sophistiqués, à mon avis. Quant à Méridian, ils ne parlent que d'elle. Une ville bâtie au sommet d'une mesa, avec des tours aussi immenses que des montagnes. Comment les Karja ont pu construire de telles merveilles? L'esclavage. Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais. Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment. Ok. Quelque chose te plaît? Je n'en doute pas. Alors... Qu'est-ce que je peux vendre? Ça je peux. Ça je peux. Ça je peux aussi. Ça aussi. Ça
aussi. Paladinde. On a dit paladinde. Ah ouais, commerce avec des marchands. Commerce avec des marchands. J'ai 900 balles. Est-ce qu'il ne serait pas le temps d'acheter des trucs? Cœur de veilleur, cœur de galopeur. Ah, faut pas que je vende tout en fait. Ça peut servir à acheter des trucs. Merde. Ah. Avec mon cœur de veilleur. Oh, contre les éléments accrus, testant les conditions extrêmes. C'est pas mal ça. Parce que j'ai de la thune pour le faire, mais non, c'est pas ça. Quelque chose te plaît ? Je me trompe à chaque fois de bouton. Je vous promets, un jour, j'apprendrai les boutons. Ah, l'échantillon gratuit. Ça, ça me plaît toujours, ça. Ah, voilà, racheter les cœurs de veilleur. C'est combien ? Ah, si je les rachète, c'est pas bon. Bon, je m'en vais. Merci, moi aussi. Prochaine fois, je n'oublierai pas les lois des matriarches. Souviens-toi de ceux qui ont péri. Souviens-toi de moi quand je mourrai. Pitié. Donc ok, donc quand c'est marqué commerce avec les marchands, ça veut dire que je peux avoir des je peux avoir des tenues, des trucs comme ça, avec quoi. Je saurai. Je saurai maintenant. Ah bah. J'ai un truc à faire ici. Ah voilà, ouais. Approche ma fille. Laisse-moi. La fille a la marque de chercheuse. Les sentinelles t'ont vu arriver. Tu es Maréa? Varla dit que tu savais comment aller à Méridian. La capitale Karja? Il faut que tu ailles vers l'ouest. Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place. Qu'ils essaient. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'est et l'ouest. À ce qu'on dit, les Karja ont bloqué leurs portes par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées. Alors, si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront? Sûrement. Mais je n'ai pas de brave pour t'aider. Est-ce que t'es complètement folle? Nettoyer la vallée? À toi toute seule? J'ai mon arc. Si tu le dis, sois prudente, quand même. Qu'est-ce que t'as fait, Blacky? Donc, il y a la forteresse Karja à l'ouest, et après, Méridian. Oui, les Karja l'appellent le rempart. Ce n'est pas loin du village abandonné. Quel village abandonné? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est là que je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans à l'époque. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée, pour venir ici, à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées. Ah, c'est comme en Corée du Nord et en Corée du Sud. Il y a la bande de 2 km là de large. Est-ce que je viens tout juste de proposer aux copains qu'on soit du Parti communiste français complètement? Est-ce que je vais le regretter? Aucune idée. Pourquoi vous voulez être communiste? Jusqu'où s'étend la corruption? Pourquoi vous voulez être communiste tous les deux? J'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée. Et à ce qu'on m'a dit, il y en aurait au sud aussi. Ouais, bon, il y en a partout quoi. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines.
Elle brûle les chairs et rend malades les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles ? Le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires. C'est peu de chose. Seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau. La déesse ou moi, quoi. D'où ça vient et qu'on y mette un terme. Les matriarches ont parlé, Aloy. Nous ne pouvons que combattre et prier la déesse. Je sais pas, moi, tu dis que vous voulez être du PCF. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. En rien. Vous voyez souvent des étrangers ? Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora, s'ils le veulent. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridien. C'est toi qui es responsable de la défense ? La couronne de la mer sait se défendre. Pendant la guerre, nous avons survécu à 15 attaques. C'est CPCF, c'est le Parti communiste français. C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes. Tu l'ignores sans doute, mais j'ai gagné les. Je sais pas, ils se sont. Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer, j'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyé à la couronne de la mer, c'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire des Nora ne m'a pas encore tué. J'en serais heureuse si ça arrivait. Ils sont chelous! Il faut que j'y aille. D'accord. Mourir pour la cause et tout, ça fait vraiment très sectaire quand même. Ce que tu cherches. J'ai trop mal aux pieds. J'espère pouvoir les reposer au coin d'un bon feu tout à l'heure. Ça fait vraiment très sectaire. Tu ne les as pas vus. Certaines choses nous dépassent. Sois prudent. Bon, sous les magies, je souhaite comme pas des entrailles d'un ventre tu sais si bien que moi. Ça les rend folles. Petit confrimeur. Mourir pour la cause, mais quelle. Ouais, non, mais. Mère peut sauver les Nora maintenant. Non mais depuis le début, il y a plein de trucs qui me font penser à des comportements sectaires en fait, hein. C'est Je veux bien que c'est du post-apo, mais quand même quoi. Oh là là. Zone corrompue. Il conseille d'être niveau 15, d'accord. Hop. Et on va s'arrêter là. Avant, une petite pause. Donc je vous dis au revoir. YouTube, des bisous et vous verrez où ça me mène après, évidemment.